C'est la première fois que la boîte de jeux me sollicite pour parler de l'une de ses campagnes, j'en suis d'ailleurs assez flatté. La boîte de jeux, comme tout amateur d'euros, c'est un éditeur que je suis pas mal pour son activité Kickstarter, plus que pour son activité boutique qui est un petit peu plus généraliste, on va dire. Mais la seule fois où j'ai vraiment parlé d'un jeu dont ils ont finalement participé à la campagne, c'était il y a 2 ans, pour la campagne de Malia, et à cette époque-là, c'était encore complètement géré par 4 univers, c'est-à-dire par les 4 Français qui ont créé le jeu. C'était avant que Benoît Bagnier et son équipe s'intéressent à ce projet. Alors, Malia, c'est intéressant parce que c'est une sorte d'écart dans le code de conduite de la boîte de jeux, qui a toujours produit des jeux plutôt, voire très euros. Il y a peut-être l'exception de la série It's a Wonderful qui reste quand même du jeu de gestion, du jeu d'engine building. Et donc, bon, Malia a eu le succès qu'il a eu, mais là, avec From the Moon, le jeu dont on va parler aujourd'hui, on revient vraiment strictement à ce qui a fait la réputation de l'éditeur, au-delà de son sérieux et de ses délais de livraison respectés, c'est-à-dire donc un euro pur et dur. Alors, partenariat oui, mais pas encore prototype, parce que ce partenariat s'est fait dans un temps assez court, et puis peut-être que j'ai pas encore level up hein, dans les rangs de la boîte de jeu. Donc, la seule chose, entre guillemets, à laquelle j'ai eu droit, c'était le prototype TTS, qui était bien utile donc pour pratiquer avec des camarades, mais aussi et surtout un entretien avec l'auteur du jeu, Yuan Goupy, dont vous allez sûrement pas mal entendre parler cette année, puisqu'il a sorti ou va sortir, selon quand vous regardez cette vidéo, pas mal de jeux. Il a un succès assez fulgurant là, ces derniers temps. Malgré tout, From the Moon, ça reste son premier projet, son premier bébé. Yuan Goupy, je vous en touche 2 mots, c'est une tête, c'est un scientifique de formation, c'est un chercheur, c'est un passionné d'espace, et ça se voit, on va en parler beaucoup bien sûr pendant la conclusion, ça se voit dans la manière dont il a développé, organisé son jeu. Et je vais me permettre une comparaison avec la review de Nudge Contrived, l'euro très engine building pour le coup, que j'ai revu il y a quelques jours. Nudge Contrived, c'était le premier jeu aussi de Chris Bellows, c'est-à-dire de quelqu'un qui a passé plus d'une décennie à produire les jeux des autres. Donc c'était le jeu de ses rêves, et je faisais cette comparaison qui est peut-être un peu triviale. C'est un peu comme si tu demandais à un enfant de dessiner la voiture de ses rêves. Il va te dire, là, c'est une voiture qui aura des fusées, des mitraillettes, des lasers qui ira dans l'espace. Ça, c'est Nudge Contrived, c'est-à-dire un jeu où tu fais une action, tu as plusieurs choix de conséquences possibles. Au-delà des choix, selon le type de jeton que tu as utilisé pour l'action, tu vas encore faire un autre choix, et ensuite tu appliqueras ou tu verrouilleras ton jeton sur le plateau. Disons qu'il a, voilà, c'est le jeu de ses rêves, il a voulu mettre toutes les mécaniques qui le font rêver dedans, et ça marche d'ailleurs très bien. Par contre, le jeu de Yuan Goupy, c'est exactement l'inverse, c'est un jeu au scalpel, j'ai presque envie de dire, mais dans le bon sens du terme, un jeu qui a été écrit sans émotion, c'est-à-dire dans un objectif d'efficacité absolue. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de thème, ça veut pas dire que c'est pas intéressant, ça veut pas dire même que c'est pas bien, ça vous allez le voir, mais il y a cette différence à voir, et moi c'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Dès que j'ai commencé à échanger avec lui, j'ai senti qu'il y avait cette volonté d'optimisation, d'intelligence dans toutes les mécaniques, qui, vous allez voir, est vraiment prégnante. On tarde pas plus, on va passer comme d'habitude un gros quart d'heure à évoquer le matériel et les règles, et puis, mais c'est chapitré comme d'habitude hein, juste en dessous, on va passer un petit peu plus de temps après sur une conclusion, une analyse des mécaniques, un peu plus improvisée, avec des bullet points que je vais enchaîner, pour savoir donc pourquoi, si et pourquoi, vous allez backer ce fameux From the Moon. C'est parti! Bienvenue donc dans From the Moon. Alors j'en conviens, ce n'est pas le mode TTS le plus sexy que vous ayez vu, on est sur de la moquette qui peluche un peu, on est sur un environnement là qui est pas très thématique, mais bien sûr c'est un TTS de travail et le but c'est de comprendre comment tout ça marche, ce n'est représentatif de rien à part pour ses mécaniques. Le postulat de départ de From the Moon, il est assez thématique finalement, il est que l'humanité a terminé d'arvéger la Terre à coups de guerre et de pollution, la rendant quasiment inhabitable, et que donc le seul plan B qu'on avait un tout petit peu anticipé parce qu'on voyait comment ça tournait, c'était de partir. De partir, donc 3 destinations de rêve à vous proposer, on a Europe, on a Titan et on a la planète Mars, et je vous rappelle que Yuan Goupy est un scientifique, on sait déjà, en théorie, la meilleure manière d'organiser ce genre de voyage, ce serait de partir de la Lune, parce que la gravité est beaucoup plus faible, donc on pourrait partir plus chargé, plus vite, de manière plus efficace. Le reste, vous lui demanderez, je ne suis pas un expert. En tout cas, on a déjà un avant-poste sur la Lune, hein. Bien sûr, on est quelques années en avant dans ce monde dystopique, et dans ce monde justement dystopique, en prévision de ce qu'allait arriver, ces dernières années se sont formées des sortes de factions, et chacune de ces factions que vont incarner les joueurs, leur but est clair, finalement, c'est simplement de prendre la gouvernance des colonies une fois installées,
Et comment, je vous le donne en mille, va-t-on déterminer quelle faction gouvernera une fois installée sur les colonies? Eh bien tout simplement, ce sera la faction qui aura investi le plus et participé le mieux aux préparatifs de départ. Et comme nous sommes dans un euro, ce sera donc le joueur qui aura le plus de points à la fin de la partie. C'est l'objectif du jeu, on marque un petit peu de points pendant, beaucoup de points à la fin de la partie. Ça peut varier un peu, mais grosso modo c'est comme ça et vous avez l'habitude dans les euros maintenant, ça marche souvent comme ça. Voilà pour ce qui est des prémices. Et on va pouvoir s'attaquer un petit peu au matériel. On se trouve donc, je vous dis, on a une espèce d'avant-poste hein, déjà établi sur la Lune. On va être dans un grand cratère sur la Lune. Et on va avoir donc ici une représentation de ce cratère dont le nombre de tuiles va changer selon le nombre de joueurs. Et chacune de ces tuiles représente quelque part un espace de travail. Donc un espace où un seul joueur peut placer un seul de ses rovers. Les rovers, on y viendra, hein, c'est ce qui transporte vos troupes. Donc il y a une notion, on va reparler, de contrôle de territoire. Sur chacune de ces tuiles, il y a deux choses. Il y a ce qu'on voit là répété 4 fois dans un cercle, c'est l'action de la tuile que peut faire n'importe quel ouvrier, n'importe quel astronaute qui va se trouver là. Et puis vous avez aussi, on le voit sur le côté, 3 des 4 ressources principales que sont les polymères, l'acier et l'eau, et qu'on va pouvoir aller récolter. Donc on va aller à chaque tour se placer sur un de ces emplacements, faire éventuellement l'action du lieu, éventuellement récupérer des matériaux, c'est à ça que sert cette zone. Il y a une petite subtilité, c'est que vous le voyez, on a des petits trous ici, et puis les mêmes emplacements autour, ce sont les emplacements pour les bâtiments. Vous allez construire des bâtiments, et de la même manière, on ne met bien sûr qu'un bâtiment par emplacement, donc il faudra que les joueurs se placent de la manière la plus intelligente possible, la plus efficace possible, avant que quelqu'un d'autre ne construise à sa place. On a juste à côté le fameux avant-poste, voilà, ça c'est ce qui est déjà construit quand vous arrivez pour commencer le boulot, et c'est ce qui est partagé finalement entre tous les joueurs. Vous avez ici plusieurs éléments, ça peut paraître un petit peu dense comme ça, mais finalement ça ne l'est pas tant. Alors on a bien sûr le compteur de points autour, on a ici un résumé des conditions de scoring en fin de partie. Plus intéressant, en tout cas pour l'instant, on a au milieu ici les serres. Les serres, c'est ce qui va être indispensable à produire la quatrième ressource essentielle du jeu, qui est la nourriture. Donc les serres, c'est compliqué de les faire pousser sur la Lune, donc elles viennent directement de la Terre, elles sont envoyées en mode Quechua, vous savez, prêtes à déployer. Donc ça va coûter bien sûr de l'énergie de les faire venir et de les installer, mais chaque joueur ira les chercher ici. À gauche, on a tout ce qui est plutôt dédié à la recherche, la construction de laboratoires. C'est, vous le voyez, une sorte de rivière, sauf qu'elle va en sens vertical, mais on a ici 2 tuiles d'un coût nominal, et puis vous voyez que le coût augmente hein, quand on va plus haut. On a ici les fondations sur lesquelles il faudra construire les laboratoires, on y viendra. En tout cas, voilà, tout ce qui est scientifique se trouve ici. En bas, on a les superstructures, les très gros bâtiments très chers qu'on a plutôt en fin de partie. Vous verrez qu'il y a bien sûr une composante engine building et montée en puissance très très forte au fil des premiers tours. Ici donc une sorte aussi de rivière de bâtiments qui est aussi organisée selon le nombre de joueurs et qui va vous permettre donc d'augmenter vos revenus ou de changer parfois vos conditions de victoire. On a ici un petit truc assez sympa mais j'y reviendrai, c'est tiré aléatoirement, ça. Et ce sont les pouvoirs, les capacités spéciales de chacun de vos spécialistes. Donc ça fait partie des 2-3 petits détails qui sont installés, enfin qui sont tirés au hasard au début de la partie. C'est le seul moment où il y a du hasard, finalement c'est pendant la mise en place. Et donc ça va changer l'efficacité, la façon d'utiliser chacun des spécialistes. On a un rappel ici qui dit qu'on peut à tout moment dans la partie convertir certaines ressources. J'irai pas en détail, mais ça permet d'avoir un petit peu de flexibilité. Et puis là-haut, alors ça c'est vraiment sympa et j'y reviendrai en détail tout à l'heure. C'est une sorte de piste de déroulement sur laquelle vous allez un petit peu choisir comment vous avancez, et selon où vous vous trouvez, ça va vous changer potentiellement vos conditions de scoring, ce que vous allez gagner, ce qu'il va falloir faire pour marquer des points, et donc il y aura une corrélation intéressante, sur laquelle j'espère me souvenir de revenir, entre l'endroit où vous vous trouvez, enfin le fait ouais, de passer vos tours, de faire vos entretiens, et puis de peut-être ne pas le faire et de rester sur place pour bénéficier d'un bonus qui est intéressant. C'est peut-être pas très clair pour l'instant, on y viendra tout à l'heure. Ça, c'est donc la tuile principale, et en dessous, vous le devinez, vous les devinez, les 3 vaisseaux qui vont partir sur Mars, sur Titan, sur Europe. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit 2 choses. Il y a 2 choses particulièrement importantes. La première, bah, c'est tout simplement le but du jeu, c'est-à-dire qu'on a des tuiles, et ces tuiles-là, en fait, ce sont les zones du vaisseau qui sont à construire. Là, j'ai une mise en place pour 2 joueurs, donc on n'a pas toutes les tuiles. On a leurs ressources à payer, voire ici à défausser, ça dépend, parce que là, il faudrait perdre un spécialiste. On a les points de victoire que ça rapporte, et puis une fois que c'est fait, eh ben, on la met dans son inventaire, dans sa zone de jeu à soi. Une fois que toutes les tuiles sont prises par quelqu'un, donc que le vaisseau est entièrement construit, le vaisseau part. Vous noterez, on y reviendra, qu'on peut aussi améliorer, c'est pour ça qu'il y a aussi des coûts quand il n'y a pas de tuiles, améliorer une partie qui est déjà construite ou sur laquelle il n'y a pas de tuiles.
Et donc deuxième chose assez importante, c'est que quand le vaisseau part, il y a immédiatement un classement qui s'établit. C'est-à-dire que la partie n'est pas terminée, mais on regarde d'office qui a le plus participé à la construction de ce vaisseau qui part à tel endroit, il aura 15 points de victoire, le deuxième 5 points. Ce qui veut dire que, je vous l'ai dit, on marque moins de points en cours de partie, mais on peut aussi scorer gros si on s'organise bien, parce que, et c'est un petit peu le fonctionnement de tout le scoring du jeu, il y a ce qui rapporte des points bruts, et puis il y a les majorités. Donc là, c'est moi qui ai le plus construit ce vaisseau-là, j'aurai 15 points, en plus des points que j'aurais pu gagner ici et là. Et si vous regardez, mais on y reviendra tout à l'heure, sur les conditions de scoring de fin de partie, c'est la même chose. Au-delà de ce que vous rapporteront les hauts faits, celui qui en aura le plus aura un bonus, celui qui en aura un peu moins, en aura un peu moins. Donc il y a toujours cette dualité dans le scoring. Entre eux, ça va me rapporter, mais si j'en ai beaucoup moins que les autres, finalement, j'aurais pas la majorité, donc c'est peut-être pas ça que je vais aller chercher, vous voyez. Je vais pas trop loin dans le détail de ce concept-là, j'y reviens tout à l'heure. Ceci est notre plateau personnel, donc on a ici tous les astronautes qu'on va pouvoir recruter, les éventuelles améliorations qui se cassent un petit peu la figure là qu'on voit ici, les bâtiments aussi qu'on pourra construire, et on va venir très très vite à ce qui compose. C'est pareil, ça a l'air assez dense, mais finalement, après une première explication de quelques minutes, tout saute plutôt aux yeux. Donc je vous l'ai dit, il y a des rovers, on met ces unités, ces astronautes dans les rovers, 3 par rover, ils n'en descendent pas d'ailleurs, ils sont associés à un rover, et c'est ce rover qui va aller se placer donc sur les tuiles pour faire les actions. On peut en mettre bien sûr moins au fur et à mesure qu'on en débloque, hein, mais en tout cas ça va jusqu'à 3. Et comme dans Wonderful World, It's a Wonderful World et It's a Wonderful Kingdom, la faction que nous allons choisir va nous donner des ressources de départ qu'on va avoir, va nous donner un pouvoir spécial, et même plus un bâtiment spécial qu'on pourra construire, qui aura un effet bien à lui, un coup bien à lui. Donc on va un petit peu plus loin que dans la série It's a Wonderful, où c'est surtout une notion de ressources, hein, le choix des cartes, hein, des cartes qui sont d'ailleurs appelées assez sobrement ABCD. Voilà, là on a en plus des références assez sympas, les Cylons, vous voyez, les Cylons, on nous dit qu'ils n'ont pas besoin de manger, pour ceux qui connaissent peut-être la série Battlestar Galactica, on est là-dedans. Donc, au début de la partie, en plus d'installer son plateau, on ira chercher une faction, on aura ses ressources de départ, et puis on sera prêt à se lancer, ce que nous-mêmes n'allons pas tarder à faire. J'évoque juste ici la piste d'énergie, c'est assez rigolo. L'idée, c'est que vous avez donc un jeton qui va déterminer où vous en êtes sur la barre d'énergie, mais que, par exemple, sur nos fameux Cylons, on commence à 3, c'est-à-dire que ma batterie, elle est assez limitée. Je pourrais pas aller plus haut que 3, donc on va poser des petites tuiles comme ceci. Alors j'imagine que ce sera relativement similaire dans la version finale du jeu. Et donc je commence à 3, donc ce marqueur peut évoluer, monter, descendre, mais pas à plus de 3. Donc parfois on va nous demander d'utiliser de l'énergie pour faire des choses, parfois par contre il faudra défausser une de ces tuiles, et là on perd, on diminue son maximum, ce qui peut être assez gênant. Voilà, je pense que nous sommes prêts, et nous allons attaquer sans plus attendre la description d'un tour. Alors la partie dans From the Moon s'arrête de deux manières différentes, soit la fin de partie est déclenchée parce que les trois vaisseaux sont partis, c'est-à-dire que toutes les tuiles ont été récupérées par des joueurs, soit, et a priori c'est beaucoup plus rare, si un des joueurs sort de la piste ici, va au-delà du numéro 6 sur la piste de déroulement, ça déclenche également la fin d'un tour. A priori c'est pas l'objectif voulu et c'est quelque chose, encore une fois, de relativement rare, et je vais pas réussir à replacer mon jeton, c'est pas grave. Autre chose à laquelle il faut prendre garde avant de commencer, pour des raisons de lisibilité, je vous le dis tout de suite, il y a une différence entre les points de victoire qui sont ici, qui sont immédiats, et les hauts faits, c'est cette icône-là, qui rapporte également un point par haut fait à la fin de la partie, mais qui sont un petit peu plus importants puisqu'ils jouent donc sur sur le fameux aspect de majorité. Celui qui aura le plus de hauts faits à la fin de la partie aura un joli bonus d'estime pour prendre la gouvernance une fois les vaisseaux arrivés. L'idée donc, vous l'avez compris, c'est de générer un maximum d'astronautes, d'envoyer ces astronautes bosser sur ces emplacements lunaires-là, récupérer bien sûr des ressources, ressources qui nous permettront à la fois de construire des bâtiments, ce sera des figurines hein, bien sûr dans la version finale du jeu, donc de placer des bâtiments, d'aller chercher ici des laboratoires, et puis d'utiliser toute cette engine qu'on aura build pour fabriquer les vaisseaux, les concevoir, les améliorer, récupérer des points, ouais, une sorte de bonus d'estime encore une fois, et puis remporter la partie. La difficulté, et c'est là que je reviens encore une fois à cette introduction et cette comparaison à NH contre Ride, c'est qu'on a le droit qu'à une action par tour. Donc il y aura des répercussions bien sûr en termes de fluidité de jeu, mais il y a aussi tout plein d'autres choses, vous allez le voir. Donc je vais déjà vous décrire
les 6 actions possibles, si je ne dis pas de bêtises, les quelques actions possibles, pour que vous compreniez un petit peu comment tout ça s'articule. La première action qu'on retrouve ici, ça va être de placer un rover. Donc c'est exactement ce que je viens de faire. On ne peut mettre qu'un rover par zone, c'est-à-dire que si mon adversaire y est déjà, bon, elle est vide, mais on va faire comme si, bien sûr, je ne peux pas aller ici. Je me place ici. Et une fois que je suis placé, dans le prolongement de cette action, je vais pouvoir faire deux choses. Une action avec chacun de mes ouvriers. Première action possible avec n'importe qui, ça va être d'utiliser le pouvoir de la zone. Donc, il y a une poignée d'icônes à connaître, finalement, à la fin même de cette explication. Je pense que vous les aurez quasiment toutes devinées ou comprises. Et ensuite, donc ça on peut le faire bien sûr qu'une fois par tour, et récupérer des ressources, mais par contre il n'y a que le meeple de la bonne couleur, c'est-à-dire l'astronaute qui est spécialisé dans la matière, qui va pouvoir le récupérer. Donc ici par exemple, je pourrais aller chercher avec mon bleu ma ressource en eau, je pourrais aller chercher avec mon gris ma ressource en acier, et je pourrais déclencher avec le noir qui n'a pas de polymère ici à récupérer, l'action de la zone qui me permet d'ailleurs de récupérer une ressource supplémentaire de mon choix. Vous aurez la possibilité au fil du jeu de, je vous l'ai dit, spécialiser ces astronautes, d'en faire un petit peu des astronautes d'élite. Et dans ce cas-là, il y a deux petits changements. Le premier, c'est que chaque astronaute a le droit à deux actions. Alors bien sûr, il va être possible d'avoir beaucoup plus de ressources sur ces emplacements, jusqu'à 4. Et puis surtout, je l'ai montré tout à l'heure, chaque astronaute spécialisé d'une couleur a le droit à une action supplémentaire qui lui est propre et qui est tirée aléatoirement. Donc ça va permettre aussi un petit peu de varier son jeu et de le rendre un petit peu plus flexible. Donc ça, c'est l'action de rover. C'est aussi simple que ça. Et bien sûr, au moment, d'ailleurs seulement au moment, j'avance un petit peu dans le jeu, où vous aurez placé vos trois rovers, vos trois rovers, je mets les personnages un petit peu n'importe comment, disons que j'ai fait quelque chose comme ça, j'ai placé mes trois rovers, donc là évidemment, je ne peux plus en placer d'autres, donc soit je peux continuer à faire d'autres actions, il n'y a aucun souci, mais je peux aussi à ce moment-là, quand les trois sont placés, les ramener à la base, et ça en fait c'est ce qui est indiqué, oh vilaine chute, c'est ce qui est indiqué en dessous. Ramener à la base, ça va déclencher pas mal de choses pour vous. Ça va déclencher d'abord le gain, cette petite icône-là, sur tous les bâtiments que vous aurez construits. Par exemple, celui-là, il y a 2 points de victoire, et ici aussi. Ramener vos rovers, c'est le moyen donc de bénéficier de toutes vos constructions, et aussi, on le voit en dessous, de recharger vos batteries à leur maximum actuel. C'est pas tout, parce qu'il y a quand même un coût, il y a quand même une contrepartie, c'est que quand vous ramenez vos astronautes dans la base, il faut pouvoir les nourrir. Donc chacun mange une fois, une ressource de nourriture. Donc, faut vous assurer aussi, pendant qu'ils étaient en train de travailler, hein, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure sur le plateau principal, d'avoir récupéré, généré assez de serre ici chez vous pour avoir assez de nourriture, parce que sinon, c'est une perte sèche en point de victoire d'office, ça fait assez mal, c'est assez peu souhaitable. Dernière chose qu'on fait quand on revient dans la base, dernière chose importante dont je veux vous parler, c'est qu'on avance sur cette piste-là. Et cette piste-là, bah, je peux vous en parler, cette piste-là change la condition à laquelle vous allez gagner des hauts faits. Ces tuiles font partie des éléments qui sont assemblés aléatoirement au début de la partie. Pendant le premier tour, par exemple, ou en tout cas tant que je n'ai pas ramené mes rovers une fois, à chaque fois que je vais améliorer un vaisseau, c'est-à-dire pas construire une tuile, mais payer le coût qui se trouve sous la tuile, là où il n'y en a pas ou plus, eh bien, je vais gagner un haut fait. Donc si, parce qu'on le retrouve encore ici, imaginons que je sois ici et que j'ai pas mal de ressources et qu'il y ait pas mal de choses à améliorer, peut-être que je vais avoir envie, si j'ai bien géré mon coup, de laisser mes rovers sur place, donc je ferai plus d'action avec, donc je pourrai plus récolter évidemment, là ils sont bloqués, mais exploiter tout ce que j'ai, toutes mes ressources disponibles, pour marquer un maximum de points, parce qu'une fois que j'aurai ramené mes rovers, je serai passé ici, la condition pour gagner des hauts faits aura changé, donc je pourrai toujours bien sûr améliorer les vaisseaux et gagner les bénéfices inhérent à cette amélioration, mais je perdrai ce bonus-là. Donc il y a une vraie réflexion à avoir, et je le disais en introduction, mais peut-être que maintenant vous le comprenez mieux, sur le moment où vous ramenez vos rovers pour avoir des actions, c'est-à-dire pour pouvoir vous redéployer et re-récolter des ressources, en corrélation donc avec ce que vous pouvez faire à ce moment-là, et ce sur quoi vous pouvez optimiser votre nombre de hauts faits, qui, je vous le rappelle, sont importants non seulement pour les points de victoire qu'ils rapporteront, mais aussi pour cette espèce de course aux hauts faits qu'on a en fin de partie. Voilà à peu près ce que je pouvais vous dire concernant les rovers. On passe ensuite à, je viens de l'évoquer, les fameuses serres. Pour récupérer une serre, vous le voyez ici, ça va vous coûter une ressource d'eau et une ressource de polymère, et donc dans ce cas-là, vous allez chercher la tuile la plus à droite, ça a son importance,
et vous allez la placer sur l'emplacement le plus en bas de votre piste de serre, sachant que vous le voyez, si vous recouvrez des tuiles un petit peu plus haut, vous allez gagner des bonus ponctuels. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, qu'on va retrouver ici sur les astronautes et un petit peu ailleurs. Il y a toujours une espèce d'encouragement, d'incitation à aller remplir un peu plus d'emplacements et peut-être aussi de se focaliser un petit peu sur certains domaines. On tombe sur... Alors oui, donc du coup, je vais au bout de mon raisonnement. Si on n'a plus de serre ici, il faut en faire venir de la terre et ça coûte 2 énergies en plus. Donc forcément, c'est pas optimal. À 2 joueurs, il n'y a qu'une serre, c'est-à-dire que le premier se sert et puis le deuxième, s'il en veut une, il faut la faire venir de la terre, donc il faut payer les frais de port et les taxes, vous connaissez bien. On est sur la première des actions, qu'une action qu'on pourrait appeler de manière un petit peu barbare optimisable, et c'est l'un des génies du jeu. Donc accrochez-vous parce que ça va devenir intéressant aussi à partir de maintenant. En plus, ou à la place d'ailleurs, de cette action d'aller chercher une serre, vous pouvez payer une eau pour la retourner, c'est-à-dire l'optimiser, l'améliorer, pardon. Ce qui fait qu'à chaque retour des rovers, souvenez-vous, cette petite icône, elle produira 2 nourritures. Et vous allez voir qu'on touche du doigt là quelque chose qui, encore une fois, demande beaucoup de planification et de réflexion, et qui pourtant est diaboliquement simple, c'est que la plupart des actions peuvent être effectuées de manière donc simple ou cumulée, c'est-à-dire soit je prends une serre, soit j'améliore une serre, soit je fais les deux, et ça va vous demander un sens du timing, ce mot est très important, un sens aigu du timing sur quand je fais mes actions. Est-ce que je fais une action maintenant pour aller chercher une serre, ou est-ce que j'attends peut-être d'envoyer un autre rover pour récupérer un autre plus, une eau de plus, et pouvoir la prendre et l'améliorer tout de suite? Ce sera la question. En tout cas, donc je vous rappelle, une seule action par tour, l'action serre, vous la connaissez. On passe ensuite à l'action de recrutement, qui bien sûr, vous vous en doutez, est très importante. Donc pour une énergie, eh bien on va aller chercher... Alors là, du coup, c'est un petit peu faussé, puisque évidemment, j'ai déjà chargé tous mes rovers. Mais on irait chercher, je vais les replacer, un nouvel astronaute qu'on placerait dans un rover. Notez qu'on peut le placer dans un rover qui est déjà parti, donc on peut compléter, même si c'est peut-être pas... Donc ça vous rapportera pas d'action, mais ça évite d'avoir à ramener les rovers avant de recruter des astronautes. Et ça a du sens, puisque ramener les rovers, c'est une action qui est lourde de conséquences et qu'on fait pas n'importe quand. Donc vous allez prendre, d'ailleurs je les ai pris à l'envers, vous allez prendre l'astronaute qui est le plus à gauche, puisque quand vous allez commencer à débloquer les astronautes suivants, vous allez gagner un petit bonus ici en point de victoire et en haut fait. Donc je sais que si Johan Goupy, il devait se mordre la main de voir que j'avais pris les astronautes les plus à droite au lieu de prendre ceux qui étaient à gauche. Donc on la place dans un rover et c'est à peu près tout. Action elle aussi, optimisable. Donc là de toute façon ça va être vraiment le cœur hein, de ces actions là du centre. On peut... À la place, c'est toujours pareil, à la place ou en même temps, transformer cet astronaute en astronaute d'élite. Donc soit je ne fais qu'une seule action, j'ai un astronaute quelque part, je veux le transformer en élite, je paye donc une nourriture et je diminue mon énergie de 2, et je lui mets donc ce petit marqueur là dans le sac à dos. Soit j'ai bien géré mes ressources et je peux faire les deux à la fois. C'est-à-dire je peux payer une énergie, dépenser, attention, on ne retire pas la batterie, hein, payer, c'est-à-dire faire ceci, voilà. Pour aller chercher un astronaute, et dans la foulée, eh ben j'en fais un astronaute d'élite d'office, ce qui est plutôt pas mal, je bénéficie du pouvoir là-haut, il a 2 actions, c'est très bien. Donc, avec pareil, hein, le petit bonus là au fur et à mesure, si vous faites beaucoup d'astronautes d'élite pour chaque ligne. Donc voilà, il y a cette vraie réflexion à avoir toujours sur à quel moment j'utilise mes ressources, sachant que bien sûr elles sont limitées, puisque les rovers ne travaillent qu'une fois, après il faut les ramener, et puis on repart sur un cycle. Ça c'était l'action de recrutement, et on passe à l'action maintenant de construction. Les actions de construction, c'est relativement simple, ça va être votre outil de production. Il en existe de différents coûts, vous voyez que les coûts sont croissants, avec aussi les bâtiments qui sont les grands bâtiments, qui se situent à la fois sur votre tuile de faction, et puis là-haut, sur le plateau principal. L'idée, elle est toute simple, vous allez payer pour construire le bâtiment, vous allez placer, donc encore une fois, hein, n'oubliez pas, ce sera des figurines dans la version finale, placer cette figurine du bâtiment là où vous le souhaitez. Ce qui est important, c'est que quand vous posez un bâtiment quelque part, vous pouvez gratuitement activer une action de lieu qui lui est adjacent. C'est le petit bonus. Et donc, on revient à cette idée un petit peu de contrôle de territoire, à la fois par rapport aux ressources et au pouvoir inscrit sur les tuiles, donc le placement des rovers, à qui ira le plus vite sur les emplacements les plus intéressants, et puis aussi avec les bâtiments, à qui ira chercher le meilleur placement pour bénéficier d'une action plutôt sympa. Surtout celles qui sont là, placées en haut à droite, vous allez le voir. Et je vous rappelle que ces bâtiments, donc vous en bénéficiez, vous en récupérez les fruits,
quand vos rovers reviennent, donc ici par exemple, on gagnerait une nouvelle tuile énergie avec ce bâtiment-là, ou on pourrait gratuitement au retour retourner, améliorer une tuile serre avec celle-là. Ce sont les bâtiments les moins chers. Pour les gros bâtiments, ce sera pareil, hein, ce sera toujours un petit cube, ils ne prennent pas plus de place sur le plateau, sur le cratère. Par contre, le coût est inscrit sur la tuile, et ce bâtiment-là, bien sûr, vous est privatif, c'est celui de votre faction. Donc vous ne pouvez en placer que deux. Vous voyez, encore une fois, petit bonus ici si vous construisez ce bâtiment. On le construit, on le place, on bénéficie de l'action qui se trouve dans un cratère environnant, et puis on a maintenant une super action qui, vous le voyez, pour cet exemple-là, ne dépend pas du retour des rovers, hein, il est lié plutôt à l'énergie. Pour aller de pair avec cet outil de production, on a bien sûr besoin d'outils scientifiques, de travailler sur la recherche sur la Lune pour partir, encore une fois, dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire pas forcément avec un vaisseau un petit peu brinque-ballant, mais un truc un petit peu luxueux parce que le voyage est long et sera certainement incertain. Tout ce qui est scientifique se trouve sur la droite, et l'essentiel, en tout cas la base de ce travail, ça va être de construire des fondations, je vous les ai montrées tout à l'heure, donc une fondation c'est un acier, un polymère et une énergie. On va chercher sa petite tuile ici, et on doit les placer, vous le voyez, comme le schéma qui est indiqué. Donc ma première irait comme ceci, les deux suivantes se trouveraient ainsi. Elles sont toutes similaires, il n'y a pas d'impact particulier. Et ensuite, on va aller chercher son petit labo. Donc, vous voyez que de base, c'est un polymère pour aller chercher un petit labo de recherche. Chacun a son effet. Vous allez voir très vite comment il se déclenche. N'oubliez pas que si vous voulez quelque chose qui est un petit peu loin, il va falloir payer un supplément en énergie et que l'énergie, vous avez vu, là, par exemple, avec les silos, on commence à 3, donc ça ne court pas les rues. Et encore une fois, vous êtes bloqué par cette notion de cycle, en fait, qui est le cycle des rovers. Tant qu'ils ne sont pas revenus, cette batterie-là, vous ne la rechargerez pas. Sauf effet peut-être ponctuel sur un bâtiment ou quelque chose, mais grosso modo, voilà, votre revenu, votre ressource en énergie, elle est limitée tant que vous n'en rentrez pas. Donc je récupère ma tuile de labo, je la place, et là c'est pareil, on a deux petites subtilités. La première, c'est que si je vais placer des tuiles labo en bas, vous voyez sur cette ligne-là, qui va s'agrandir, hein, puisqu'on ira jusqu'au 6, là, la tuile numéro 6 qui va aller tout en longueur, on va gagner encore une fois un au fait. Des au fait, on en gagne beaucoup. C'est une grosse partie du scoring de fin de partie, et ça rend la course au point, souvenez-vous, il y a une course à celui qui aura le plus de hauts faits, donc ça rend cette chasse-là plus excitante, plus intense, parce qu'on en gagne beaucoup, et les majorités tournent beaucoup normalement. Vous noterez, on ne perd pas les bonnes habitudes, qu'on est aussi sur ce que j'ai appelé, donc de manière assez barbare, les actions optimisables, c'est-à-dire que vous pouvez soit faire l'un, soit faire l'autre, soit faire les deux pendant le même tour, ce qui est hyper intéressant aussi, mais là, pour le coup, hyper coûteux, hein, surtout si vous voulez un labo qui se trouve un petit peu en hauteur sur le truc, vous avez déjà payé une énergie pour poser la fondation, il en faut peut-être jusqu'à deux là, pour aller chercher le Nirvana, ça commence à faire beaucoup, sachant que normalement, vous espérez faire plus d'une action, même optimisée, avant le retour de vos rovers. En tout cas, j'en place quelques-unes pour vous montrer l'idée. Alors, je vais les placer n'importe comment. Johan, si tu me regardes, je fais vite. Quand vous allez poser, allez imaginons, quand vous allez poser un labo, vous allez activer tous les labos qui se trouvent sur la ligne et sur la colonne. Donc là, en ligne, dommage, il n'y a rien. Mais du coup, c'est en construisant ce labo-là que je gagne soit un polymère, soit un acier, que je gagne soit un astronaute, soit une nourriture, et que je gagne soit un agrément, soit un acier. On va venir aux agréments après. Et il y a quasiment, en tout cas à ma connaissance, sur mon expérience du jeu, c'est la façon principale d'activer les labos, c'est en construisant plus de labos. Mais intelligemment, puisqu'ils vont se déclencher à coups de ligne et de colonne, donc savoir lequel prendre parce qu'il est pas trop cher à ce moment-là et que je veux pas que mon adversaire l'ait, et à quel moment poser d'autres autour pour qu'ils s'activent au moment le plus intéressant, voilà, il y a encore une fois une vraie réflexion, une vraie optimisation sur cet aspect-là, sur lequel, eh bien, écoutez, j'ai terminé. Ne reste qu'à parler du nerf de la guerre, c'est-à-dire l'autre action possible, ça fait 6, j'étais bon. Sixième action... en fait, c'est pas vraiment une action, c'est une conséquence d'action, vous allez voir. Ça va être donc de travailler sur les vaisseaux ou de les améliorer. Comment on fait ça? C'est pas si facile. N'importe qui ne peut pas travailler sur les vaisseaux, il faut des agréments, parce que c'est quand même tout le monde va monter dedans, donc tout le monde se surveille, se jauge un petit peu. Et les agréments, en fait, ils sont liés à la couleur que vous allez voir ici, et c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure en vous disant que c'était intéressant. Ici, si je place mon rover, on va prendre un rover qui est plein, peut-être ce sera mieux. Voilà. Alors, je pourrais dire, ce noir-là, il prend le polymère, ce gris-là, il prend l'acier, il me reste un noir, et bien cet astronaute-là, il va déclencher le pouvoir, c'est-à-dire avoir un agrément soit jaune, soit rouge, ça veut dire bosser sur soit ce vaisseau-là, soit ce vaisseau-là. Et donc de là, avec cet agrément, je peux, si j'en ai bien sûr les ressources,
les dépenser, donc on voit ici par exemple perdre un laboratoire, ce qui n'est pas rien, payer 2 polymères, je gagne tout de suite 6 points de victoire, je prends cette tuile-là. Et bien sûr, quand toutes les tuiles auront été prises, c'est ce que je vous ai dit, on comptera en fait hein, le nombre de tuiles que chacun possède, et celui qui en aura le plus aura un beau bonus de points. Donc vous voyez qu'il y a des récompenses immédiates au fait de construire, ici, en point de victoire, mais il y a aussi la course, hein. Mais c'est jamais, du coup ce n'est jamais inintéressant, même si on n'a qu'une tuile, il ne reste qu'une tuile et qu'on sait qu'on n'aura pas la majorité, il y a quand même un gain en brut qui n'est pas inintéressant, puisque le coût n'est pas toujours astronomique, ça varie beaucoup. On pourra aussi améliorer, donc le vaisseau, je l'ai dit plusieurs fois, je vais maintenant vous expliquer comment ça marche. Améliorer, donc il faut aussi payer le coût. On va placer un jeton pour dire, pour signaler que cet emplacement du vaisseau est amélioré. Et ça ne rapporte que les points en brut. Et ça a l'avantage par contre de donner une fondation ou une recherche de labo ici, au choix sans surcoût. On ne paiera pas le surcoût ici du labo. Donc ça permet de pousser un peu là, mais c'est des points en brut. Ça peut permettre quand même malgré tout, sur un vaisseau sur lequel on n'a pas la majorité parce que la plupart des tuiles ont été construites par d'autres personnes, de s'impliquer quand même dedans avant qu'il parte bien sûr, parce que quand il n'y a plus de tuiles, le vaisseau décolle, mais de s'investir dedans, d'aller en tirer un maximum de points, de bonus, et puis bah, en même temps de booster un petit peu cet aspect scientifique. Donc voilà, on a les deux aspects. L'aspect long terme, c'est construire le vaisseau, chercher la majorité des tuiles sur ce truc-là. L'amélioration, c'est plus immédiat et ça permet quand même d'investir en science. Il y a un petit incentive à côté. Et c'est déjà fini. C'est déjà fini et avant de commencer à développer un petit peu sur comment ça s'imbrique, etc., je voudrais immédiatement mettre le doigt sur quelque chose que vous avez sûrement remarqué et qui fait le charme, l'élégance absolue de ce jeu. C'est que toutes les actions que je vous ai expliquées, tout, absolument tout, est écrit sur le plateau. Vous avez une organisation en colonne pour chaque action, on me dit ce que ça coûte, ce que je peux faire, c'est l'un ou l'autre, ou les deux, hein, pour l'immense majorité, à part les bâtiments où on n'a pas 36 choix, on n'a pas d'options optimisables. Tout est absolument clair, en fait. Et ce qui fait que, c'était le premier truc, la première question que j'ai posée à Johan, c'est ben, y a pas d'aide de jeu pour ton truc, mais il n'y a pas besoin, en fait. Une fois, bien sûr, que tu auras assimilé que ça c'est une serre, que ça c'est une serre améliorée, que ça c'est pas la même chose que ça, voilà, que ça c'est une tuile énergie et que ça c'est juste faire baisser le compteur. Tu n'as plus besoin de rien parce que tes actions sont détaillées là et que, bon, déjà au bout d'une explication, normalement tu as tout retenu, mais ce que tu n'as pas retenu, ce sera indiqué forcément sur ton plateau de jeu. Donc quand tu regardes, c'est pas facile avec TTS, mais quand tu prends une vue d'ensemble en fait, bah tu vois, t'as un petit peu comme tes onglets là qui vont te dire ce que tu peux faire pour voir un peu l'état des choses, tu vois où en sont tes astronautes, tu vois où tu es sur cette piste là, et tout de suite tu sais ce qui va être le plus optimal. Peut-être pas tout de suite, mais en tout cas c'est très clair. Ça fait partie des choses, je vous ai dit, un jeu créé au scalpel pour qu'il soit le plus efficace possible. Pour moi c'est la première c'est le premier énorme bon point, c'est une phrase absolument horrible, c'est ce design de plateau là, qui fait que d'un jeu... Vous savez, les euros, quand on les regarde, parfois celui-là, en plus, c'est très gris, c'est la lune, hein. On se dit, ouh, c'est austère, c'est dense. Bah, au bout de 5 minutes, c'est démystifié, en fait. Et au bout de quelques tours, on se sent très bien. Voilà, je voulais insister là-dessus. Tant que c'est frais dans votre tête, le fait que tout soit évident vous aidera, même si ça peut se retourner contre vous, on y viendra aussi après, vous aidera à faire venir les gens à la table et très facilement mettre tout le monde en route sans avoir besoin que celui qui explique les règles soit toujours en train de rappeler des points, parce que là, c'est vraiment, faut vraiment le faire exprès pour louper quelque chose sur un tour, d'autant qu'on ne fait qu'une action par tour. Alors, on a lu un petit peu tout et n'importe quoi sur certains réseaux sociaux ces derniers temps, y compris sur les pratiques de test hein, de certains créateurs de contenu. Vous le savez peut-être si vous me suivez un peu, j'essaie toujours quand je fais des reviews, surtout le format scripté, le format 15 minutes que normalement vous connaissez bien, j'essaie toujours d'aller chercher des points négatifs aussi, pas tant pour donner l'illusion que je suis objectif, parce que c'est une illusion, ça n'existe pas, ça, l'objectivité absolue, voilà, c'est un mythe. Mais pour que, déjà, vous n'ayez pas à déduire des points négatifs de mes points positifs, vous savez, souvent, on entend des gens dire « Ah mais les gens savent ce que j'aime, donc ils feront leur décision par rapport à ça. » Moi, je veux que vous n'ayez pas à chercher en dire « Ah mais s'il aime ça, peut-être que moi, ça me plaira pas. » Et puis l'autre aspect, tout simplement, c'est que vous vous disiez que quand j'écris ma review, bah, j'ai pensé aussi à vous, si le jeu n'est pas fait pour vous. J'ai essayé, à mon humble niveau, de prendre un petit peu de recul. Il y a eu des moments où j'ai pas été fichu de trouver des points négatifs. Alors il y a deux raisons, il peut y avoir un petit peu la flamme du moment, vous voyez, une campagne, je tombe dessus au dernier moment, où je la pratique assez vite, ou peut-être juste aussi par rapport au temps que j'ai passé avec le proto, j'ai pas le temps de voir sur 10, 15, 20 parties ce que ça va donner. Et on peut citer Miss Wynn, même si c'est pas gentil pour eux, parce que ça leur fait pas de pub.
Il y a des jeux sur lesquels je suis un petit peu revenu après. Et puis il y a des jeux où vraiment, quand j'ai pas de points négatifs, c'est plutôt bon signe. Là, je vous le dis, j'ai pas grand chose à en dire de négatif. Ne prenez jamais rien de ce que moi ou d'autres vous disent pour argent comptant, bien sûr. Mais pensez bien que j'ai cherché en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, je cherche vraiment en me disant, mais quelqu'un qui n'aime pas ça, à part quelqu'un qui n'aime pas l'euro, pourquoi ça pourrait lui déplaire ? Là, en l'état, sur les quelques semaines que j'ai passées avec ce jeu, en tout cas avec sa version TTS, j'ai pas été fichu de trouver grand-chose de mauvais. Donc voilà, on n'est pas sur une review payée, absolument pas. Oui, en plus, je suis dans des conditions qui sont un petit peu artisanales, un petit peu vite fait, avec du TTS. Donc, prenez ça pour ce que ça vaut. Pour moi, c'est quand même plutôt bon signe, en tout cas à mon niveau, si vous aimez les euros en général. Donc on va pas revenir sur ce avec quoi vous êtes tartiné depuis que cette vidéo a commencé, qui est déjà bien trop longue par rapport à ce que j'avais prévu. C'est un jeu qui est créé par un scientifique, on a une base scientifique, c'est ça qui est marrant sur pas mal de choses là-dedans, même si on est sur la science-fiction, bien sûr, on n'est pas en état aujourd'hui d'aller construire des bases sur la Lune, mais il y a une réflexion scientifique, il n'y a pas... donc il y a ça, et il y a une réflexion scientifique sur le gameplay. Par exemple, Johan Goupy m'expliquait que ce qu'il déteste, c'est l'entretien. On déteste tous l'entretien, hein, la fin du tour où il faut remettre les cartes en plus, remélanger, retirer un machin, etc. Et là, dans ce jeu, par exemple, chacun fait son entretien pour toi. Je ramène mes rovers pour moi. Pourquoi je le fais aussi ? C'est ça qui... C'était son intention. Je le fais parce que ça va me bénéficier. Je vais déclencher les effets de mes bâtiments. Donc chacun se gère. Ça soulage un petit peu le travail souvent du maître de jeu, celui qui explique, de devoir, à la fin du tour, c'est lui qui apprend toutes les cartes pendant que les autres réfléchissent déjà à leur tour suivant. C'est un truc qui m'énerve. Là, chacun bosse pour soi, chacun le fait quand il veut, ça a un sens, et en plus, c'est vraiment minimaliste, hein. C'est ramener les rovers, là-haut, ça ne bouge que quand on prend une cuile, on en remet une nouvelle, c'est assez vite vu, et ici, donc ouais, voilà, chacun fait son truc, et en plus, son entretien de fin de tour, bah voilà, le fait d'avancer le pion là-bas, ou de remettre sa batterie à fond, on peut le faire pendant que le suivant est déjà en train de, finalement, presque d'entamer son tour, ou du moins de commencer à y réfléchir. Si vous me suivez, vous savez que, de toute façon, c'est exactement mon genre de jeu, et que j'adore absolument cet aspect, vous n'avez qu'une action par tour. Pourquoi ? Même pas tant parce que ça va vite, mais parce que j'aime... Moi qui suis pas très bon aux euros, j'adore ça, mais je suis pas très bon. J'aime les jeux qui créent une saine frustration chez moi. C'est-à-dire que j'ai qu'une action. Je pourrais faire un labo, mais je veux attendre d'avoir un polymère de plus pour pouvoir faire à la fois une fondation et un labo, par exemple. Oui, mais pendant le tour suivant, donc, du coup, je vais chercher un polymère, mais au tour suivant, bah, le joueur adverse, il prend le labo que je voulais. Ce genre de frustration-là, de notion de timing, fait que j'ai toujours envie de revenir au jeu. Pourquoi j'adore Résurgence, pourquoi j'adore Tricarion, c'est que on fait des choix qui sont pas toujours les bons, surtout dans mon cas, et c'est le fait de me dire, mais j'aurais pu optimiser ça mieux, mais j'aurais pu penser ça comme ça, la prochaine fois, je ferai ça. Qui donne l'envie de rejouer, de revenir tout le temps, et ça j'adore, et c'est encore renforcé, peut-être que je l'évoquerai tout à l'heure, mais par les quelques tuiles posées aléatoirement qui font que les conditions changent, je saute un peu des étapes par rapport à ce que j'avais prévu dans mon script, mais c'est pas un jeu qu'on apprend par cœur, il n'y a pas une méthode qui marche, point. C'est ce qui se discute en ce moment sur des forums par rapport à des jeux comme Sons of Faeriel par exemple, est-ce qu'il n'y a pas une seule stratégie pour gagner ? Moi, j'ai tendance à penser qu'un petit peu si. Là, on peut pas avoir ça, en fait, parce que cette piste de déroulement-là est trop importante. Vous voyez ici, par exemple, à chaque fois que je construis une fondation, je gagne un haut fait. Peut-être que j'ai envie de laisser mes rovers le plus longtemps possible à l'extérieur pour aller dépenser tous les sous que j'ai en fondation. Comme ça, déjà, bah, elles sont faites. Et puis, d'autre part, bah, je récupère un haut fait. Oui, mais si je mets tout en fondation, peut-être que je vais pas cramer le polymère de plus pour m'atteindre le bout dessus à chaque fois. Donc finalement, j'utilise une action qu'à moitié, puisque je n'utilise pas l'optimisation. Il faudra que je revienne ensuite construire des labos sur des fondations qui sont déjà faites, donc je ne pourrais pas bénéficier de la double action. Il y a toujours énormément de réflexion, et malgré une accessibilité très simple, du fait du plateau joueur, du fait aussi du nombre de règles qui sont minimalistes, il y a très peu de règles, j'ai jamais été aussi rapide, malgré mes lourdeurs, en explication de règles, qui fait qu'il y a une profondeur qui est abyssale, en fait, sur quelques... mécanique, quelques systèmes très simples. Donc je l'évoquais, le timing fait tout, au-delà donc de cette idée vraiment sympa d'action optimisée qui pousse toujours à réfléchir sur est-ce que je le fais maintenant tant que j'en ai la possibilité, ou est-ce que je le fais après mieux au risque que l'adversaire l'ait fait avant moi. Tout est dans le timing, dans ces fameuses actions, sur la piste de déroulement, à quel moment je rappelle mes rovers et quand est-ce que je vais perdre le fameux bonus qui est ici, quand rentrer. C'est-à-dire à quel moment je peux rentrer parce que je peux nourrir mes gars. Sinon c'est moins 3 points par unité de nourriture non distribuée, hein. Ça fait assez mal. Hein. Mais
quand rentrer parce que j'ai plus de batterie ou quand rentrer parce que j'ai plein de bâtiments et que bah, plus je vais rentrer, plus à chaque fois je vais les activer et plus j'en bénéficie. Et puis évidemment, il y a toute cette notion aussi de laboratoire, à quel moment je l'achète, à quel moment j'en pose autour pour les déclencher. Vous le voyez en fait, j'ai même pas encore parlé de durée de jeu, mais c'est, ça fait partie de ces jeux où heureusement quelque part que c'est simple à comprendre et que c'est simple à suivre sur le plateau et que chacun se suit parce que ça demande de toujours garder un œil sur ce que font les adversaires. Et Yoann Goupil arrive avec ce jeu à sortir de force, mais y vraiment de force, hein. Les pires joueurs d'Euro, on en a tous, ceux qui sont dans des couloirs, vous savez, qui regardent toujours tout droit, quoi que vous fassiez autour, ils font leur truc jusqu'au bout, puis bah si ça marche pas, ils ont essayé. On vous sort de ça en fait, vous êtes obligé de surveiller tout le temps toutes les constantes, parce qu'une seule action, ça veut dire qu'on passe vite son tour, tout se déroule trop vite, très vite, les emplacements sont vite pris, les bâtiments sont vite construits, vous êtes toujours obligé d'avoir les yeux partout. Heureusement, il n'y a pas grand chose à regarder, dans le sens où il n'y a pas énormément de plateaux et il n'y a pas énormément de constantes. Mais ça crée l'engagement au fil des tours, et ça c'est vraiment prodigieux. Vous pouvez pas, il est impossible de jouer dans un couloir parce qu'au moment où vous allez lever la tête, en fait, votre emplacement sera pris et le labo que vous vouliez, il sera pris aussi. Donc ça sert à rien. Sans forcer, sans artifice, encore une fois, on arrive à se débarrasser d'une des vraies grosses contraintes dans le fait de faire adopter des euros à des gens plus casus, qui est voilà, cette forme d'œillère là qui malheureusement est assez frustrante pour tout le monde, c'est-à-dire même pour ceux qui jouent à côté et qui n'ont pas de challenge ou cette interaction qu'ils aimeraient bien avoir. Là, on n'est pas du tout sur une autoroute, on est sur quelque chose qui demande une attention permanente. Je vais quand même revenir rapidement. Sur cette notion de faction, il y a une chose qui a été pensée aussi, très bien pensée, toujours pour faciliter l'accès aux débutants, c'est que chaque faction, de manière un petit peu cachée, va avoir une sorte de condition de victoire, vous voyez, une espèce de moteur privilégié. Il est impossible que vous finissiez la partie avec tous les labos intégralement construits, tous les bâtiments et tous les astronautes au niveau élite. Il y a un moment quand même où vous faites des choix, où vous faites des stratégies, il vaut mieux les garder, parfois on les adapte un peu selon ce que fait l'adversaire. Et du coup, le fait d'avoir des factions qui vous poussent déjà sur un chemin, en disant, bah tenez, les silons ils mangent pas quand on rentre, alors peut-être qu'on va aller chercher, aller ramener très vite au début de la partie pour accélérer je sais pas, la production de bâtiments, je dis n'importe quoi. Ça permet très vite de se fixer un cap, alors que souvent dans les euros on sait pas bien quoi faire au début, on est un petit peu perdu. Là on sait déjà que bon, j'ai cette action-là, j'ai ces ressources-là au départ, je peux plutôt faire ça. Et puis le temps qu'on fasse finalement ce que la faction nous a permis de faire avec ses bonus et ses ressources de départ, bah on a commencé à assimiler le jeu et on peut plus librement après finir sa première partie. Vous voyez, on a pris un bon départ parce que la faction nous a un petit peu aiguillé là-dedans, on a compris aussi quelle était sa force. Et puis à la fin de la partie, bah on a bien compris les rouages, on peut se lancer de manière plus autonome avec une autre faction, sachant qu'on sera toujours un petit peu poussé au début, un petit peu aiguillé, mais qu'on n'est bien sûr pas obligé de suivre à la lettre, il n'y a pas de plan non plus, les Cylons ne sont pas obligés de construire 50 astronautes en début de partie, ou obligés de construire tous leurs bâtiments dans les 5 premiers tours. Mais il y a cette notion-là, qui, je pense, sur laquelle il faut quand même se méfier, je vais aller chercher un point négatif là quand même, enfin négatif, un point à faire attention, c'est que ça reste, vous le comprenez, un jeu où vous aurez le cerveau qui fume, surtout au début, bien sûr, avec le temps, c'est on a vraiment c'est comme le vélo, vraiment, avec le temps, après on est à l'aise et on fait les choses sans vraiment y penser. Mais il y a énormément de paramètres à prendre en compte, et le paramètre le plus dangereux, ce sont vos adversaires. Donc il y a un côté trompeur aussi à rendre ce jeu très très accessible, facile à comprendre, et puis se retrouver face à des gens qui peut-être, pour qui peut-être c'est pas le genre de jeu, parce qu'ils n'ont pas l'habitude des euros, et si vous avez un écart trop grand entre les joueurs, moi par exemple, qui suis peut-être nul en euros, mais qu'on est quand même pas mal fait, avec ma tante qui joue qu'au Scrabble, même si elle va vite comprendre les règles, je sais que je vais la plier. Donc il y aura quand même une nécessité d'essayer de niveler un petit peu le niveau dans un groupe pour que ce soit marrant, malgré les aides, malgré la facilité d'accès, malgré les factions. Voilà, c'est un jeu qui est fait déjà pour des gens qui aiment réfléchir, anticiper, optimiser, et puis pour des gens qui ont peut-être un peu de bouteille ou qui, en tout cas, commencent plus ou moins au même niveau, à mon avis. Alors le petit bonus de tout ça, dont l'auteur m'a pas trop parlé, mais que moi j'ai un petit peu ressenti, de cet aspect donc engine building où on subit un peu les autres, plus contrôle de territoire hyper serré parce qu'il y a peu d'emplacements et qu'il y a peu d'emplacements, enfin ils sont tous différents et parfois on veut tous la même chose, c'est qu'il y a un aspect de négociation, bien sûr à deux pas tant, à trois et plus un peu plus, parce que quand même on voit très vite qui prend l'ascendant sur un vaisseau et qui prend l'ascendant sur les, parfois sur les hauts faits, si le type en a une pile et que vous en avez trois, vous avez vite compris.
Donc il peut y avoir des petits arrangements entre amis. Je ne sais pas si c'était la volonté de l'auteur, parce qu'encore une fois, il n'a pas du tout évoqué cet aspect. Mais j'ai trouvé ça marrant, surtout dans sur cette thématique de faction, vous voyez, un peu cynique, qui est là pour partir. Déjà partir, ça veut dire laisser la merde qu'on a créée derrière, mais aussi partir pour gouverner, vous voyez. Et ces gens-là qui vont essayer de se faire des petits « Ah, mais laisse-moi cet emplacement-là, et puis je te laisserai faire ça. » Ça engendre son lot, bien sûr, de trahison avec le temps, et ça augmente un petit peu l'interactivité, qui est déjà, je vous l'ai dit, énorme dans le fait où il faut surveiller les gens et puis savoir comment se placer. Mais il y a ce petit aspect négociation qu'on ne retrouve pas dans tous les euros, qui n'est pas permis dans tous les euros, mais là, les places sont tellement chères, que ce soit ici, que ce soit sur les vaisseaux, ou même parfois là-haut, que vous aurez du dialogue à la table, et c'est intéressant, et encore une fois, ça sortira sûrement aussi celui qui est plus couloir dans sa tête. Ça le sortira, ça lui permettra de lever le nez et un petit peu de s'impliquer avec les autres sur un projet plus ou moins commun selon le moment. Tout ça, messieurs, dames, tout ça au prix exceptionnel, tout ça emballé dans du 20 minutes par joueur qui connaissent les règles. Et là, on arrive sur un autre point positif, qui est le temps de jeu. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir les sensations d'un euro, au bout du truc. On a bien le cerveau qui fume, je veux dire, quand on arrive au bout, on a sa dose d'euro, on a sa dose de réflexion, on a ses neurones qui ont bien chauffé. Et pourtant, on a joué que, je vous dis, 20 minutes par joueur, on peut aller jusqu'à 30-40 minutes au début pour les premières parties, parce que on prendra plus son temps pendant les tours, on va plus regarder. Mais je sais qu'à un certain niveau de connaissance, surtout dans les premiers tours, ça va devenir, chez des gens qui pratiquent beaucoup, ou même régulièrement, comme un jeu d'échecs, vous savez. Sur les derniers tours, on va réfléchir plus ou moins selon son niveau, mais on va réfléchir. Mais au début, ça fuse parce qu'on sait quoi faire, on sait ce que va faire l'autre, on peut avoir une vision peut-être à 5 ou 10 tours. Là, c'est un peu ça. C'est un jeu où très vite, vous allez aller vite à jouer, et donc les premiers tours vont s'enchaîner, et il y a vraiment une arrivée en puissance, une prise de puissance à un moment dans la partie, qui va situer au tiers ou à la moitié selon comment vous jouez et selon les circonstances, mais un moment où vous avez plus qu'assez d'astronautes élites, ou parfois même vous allez gâcher des actions, vous avez presque trop de, je ne sais pas, trop de serres, vous n'avez pas assez d'astronautes, en tout cas un moment où vous êtes, voilà, vous vous sentez puissant, vous avez gros bâtiments et tout, et on va passer à une deuxième partie de jeu qui va être, j'ai un moteur qui tourne, une engine, pour reprendre le engine building, qu'est-ce que j'en fais? Comment j'optimise maintenant? Je suis arrivé au bout de ma montée en puissance, comment je rentabilise? Donc c'est un jeu, voilà, une phrase longue pour dire quelque chose d'assez court. C'est un jeu court, plus court que mes vidéos, et qui va se raccourcir avec le temps. Et vraiment, moi, l'aspect 20 minutes par joueur, relativement vite sorti, à mettre en doute aussi, parce que là on est sur TTS avec en plus une mise en place automatisée, ce qui est génial, mais il y a quelques tuiles. Il y a quelques tuiles sur les vaisseaux, donc ça c'est à placer en début de partie, ça c'est aléatoire ici. Il y a ces petits tas là à faire, il y a ça à placer bien sûr, il y a quand même quelques jetons et figurines à placer. Bon voilà, vous prenez vos 10 minutes de mise en place. Mais voilà, un jeu quand même, j'espère aussi vite déballer, vite ranger, si l'insert, en tout cas la boîte, est à la hauteur du niveau du jeu. Mais j'en termine là-dessus, voilà, pour moi c'est un paramètre important. Le 20 minutes par joueur qui connaissent, c'est l'argument tueur. On peut terminer en disant, parce que je vais pas vous jouer du violon pendant une demi-heure, vous avez compris que je suis hyper excité par ce jeu, comme je l'ai pas été depuis, je pense, la grande série de mes vidéos TTS à l'arrache, vous savez, les hégémonies, les résurgences, qui sont des jeux pour lesquels je ne regrette aucun des commentaires positifs que j'en ai fait depuis, et sachez que j'ai bien rejoué aux deux. Voilà, on est à ce niveau-là de hype, pour moi, mais de hype froide, vous voyez, de hype réfléchi, c'est-à-dire que déjà, j'ai compris la philosophie de l'auteur, je vois comment il a ciselé son jeu, je vois comment il pense tous les aspects gênants d'un jeu, l'entretien, entre autres, la longueur des tours, la compréhension, l'explication des règles, à tout ça, il a une solution. Peut-être que vous trouverez le thème un peu sobre. Quand on regarde tout ça, encore une fois, c'est la lune, c'est gris. Bon, là, en plus, on a des tuiles qui sont pas HD, hein, ça bave un petit peu, vous vous doutez bien que ça ne représente en rien ce que vous aurez sur la table. Même les factions sont sur fond bleuté, c'est peut-être l'aspect, voilà, allez, on va creuser, on va chercher à casser les yeux là, en fin de vidéo, c'est peut-être un petit peu sobre, austère, et ça j'en conviens très bien, malgré en plus, alors là je vous la mettrai à l'écran, malgré une boîte qui est absolument magnifique, peut-être qu'on aurait pu voir,
Et encore une fois, si on va dans du plus lumineux, du plus flashy, est-ce qu'on n'arrive pas dans la science-fiction et est-ce qu'on perd pas ce côté qui est important, ce fondement scientifique, ce côté crédible où on pourrait presque en être là? Est-ce que ça, c'est pas important de le garder? Ce sera très personnel, mais je peux concevoir. Moi, au début, je me suis dit, c'est un petit peu triste sur la table. C'est pas la plus belle présence sur table que j'ai vue. Ceci étant, voilà, pour moi, là, ça change rien. C'est un jeu que j'aurais pas de problème à sortir, et celui qui dit que c'est moche, je suis certain que de toute façon, j'arriverai à le faire jouer quand même. Et je dis pas que c'est moche pour autant. Je vais un petit peu loin dans mon raisonnement. C'est un jeu qui demande de l'adaptabilité. C'est-à-dire qu'il faut être capable de voir à long terme, surveiller les 5-10 prochains tours de son adversaire, ou au moins les 2-3, aussi pouvoir infléchir sa stratégie si ça part en cacahuète, parce qu'à chaque fois que je veux aller quelque part, il y a quelqu'un qui s'y trouve avant moi, il faut peut-être que je commence à réfléchir à mes priorités. Si à chaque fois que je veux faire une double action, je me la fais siffler parce que entre temps, le labo que je veux ou le bâtiment que je veux est parti, ça va demander ça. Ça demande une vision globale, ce qui ne rend pas très facile à jouer sur TTS. Je ne sais pas si le mode sera public à un moment, mais vous savez, sur TTS, on est souvent zoomé, en fait. Et ce qu'on a besoin dans ce jeu-là, c'est une vision globale, de voir les rovers, de voir quelles sont les zones peut-être d'intérêt pour l'adversaire, d'avoir un œil quand même sur les labos qui tournent. C'est important d'avoir ça. Si vous n'avez pas ça, même en tant que joueur d'euro, si vous êtes plus un parkeriste, hein, du joueur d'euro qui déroule son schéma à chaque fois, vous serez peut-être un petit peu échaudé, parce que là, ça demande de voir loin, ça demande aussi d'être capable, d'être surpris par ce que fait l'adversaire, mais pour moi, c'est un des charmes de ce genre de jeu, en général. Donc c'est pas pour tout le monde, mais ça, je l'ai déjà dit. Et on pourra donc, pour réitérer et lui reprocher d'être presque trop accessible par rapport au public qui vise, ça demande un public qui sait quand même dans quoi il met les pieds, mais c'est pas forcément, si vous êtes gentil, l'auteur, par exemple, déteste être gentil avec ses joueurs, lui, il est là pour montrer ce que son jeu a dans le ventre, mais si vous voulez initier quelqu'un, c'est peut-être pas mal de commencer par ça et de pas aller trop fort sur les points, parce que ça donne l'impression à la personne qui arrive sur le jeu qu'elle maîtrise son truc. Elle a son petit jeu à elle, elle connaît ses actions, etc. Et pour autant, bien sûr, comprenez-moi bien, je sais que vous m'avez compris, c'est loin d'être un jeu débutant, c'est pas un jeu casual. Accessible n'en fait pas un casual, parce que si vous voulez aller loin, et je vous garantis qu'avec l'auteur ou le genre, ce genre de joueur expert, on va très loin, il y a de quoi se creuser la tête, il y a de quoi faire des stratégies à très long terme, ce qui me permet de le rapprocher des échecs, finalement, ce que je ferai encore sur une autre vue bientôt, pour d'autres raisons, parce qu'il faut vraiment une vision à très long terme. C'est un jeu qui déborde d'intelligence dans sa conception. C'est un jeu qui est thématique à crever. C'est un jeu où, quelque part, on va crafter des ouvriers, c'est ça qui était marrant, et c'est comme ça que Benoît Bagnier, le directeur de la boîte de jeu, me l'avait vendu. En me disant, tu verras, c'est moi, on peut crafter ses meeples. Et c'est vrai qu'on va créer les meeples selon ses besoins. C'est un truc original aussi. Il a tout pour plaire, vraiment. Pour moi, il demande en plus un engagement minimal en temps de jeu, en temps d'apprentissage. Je vois pas comment, si vous aimez les euros, et si peut-être vous souffrez de tous les irritants dont je vous ai parlé, je vois pas comment vous pouvez passer à côté. Et peut-être que je m'en mordrai les doigts dans un an, comme c'était le cas pour le fameux Miss Win sur lequel j'aurais assez tapé aujourd'hui, mais j'en doute fort. Donc à surveiller de très près, à surveiller ce qu'ils vont proposer en stretch goal, puisqu'on sait que chez la boîte de jeu, il n'y a pas forcément que du cosmétique, donc on pourra avoir un petit peu de rejouabilité, je ne sais pas, dans les tuiles ici, peut-être dans les factions, il y a peut-être plus de factions, avec plus de, encore une fois, de façons de commencer la partie, il y a énormément de choses qui sont possibles. À surveiller l'insert, à surveiller la DA globale, en tout cas si c'est quelque chose qui doit vous parler, est-ce que c'est pas trop grave d'avoir des tuiles toutes grises un petit peu partout? Et à surveiller tout court, en fait, hein, donc un projet qui commence là dans les tout prochains jours, qui est un énorme coup de cœur. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'arrête, c'est beaucoup trop long, mais c'est souvent comme ça quand je suis emballé par un jeu. From the Moon, sur Kickstarter, la boîte de jeu Johan Goupy. Je pense qu'on peut y aller plus ou moins les yeux fermés, mais ne prenez jamais l'avis d'un créateur de contenu au premier degré. Je vous souhaite de belles parties, une belle campagne, et puis à très bientôt.